reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Ha! Si ça va, c'est extraordinaire. Ça fait un bail, non? Ne vous inquiétez pas. Jésus Seigneur. Dès que Dieu me donne la force et le temps, je viendrai vous saluer ici, comme vous me voyez là aujourd'hui. Ha! J'ai tellement travaillé dur que j'ai décidé de me reposer. Et après quelques heures, quand je me suis réveillé, j'ai allumé la télévision et j'ai vu quelque chose de vraiment hors du commun qui me pousse même à faire cette vidéo. J'aimerais vous parler. Ah! Qu'est-ce que j'ai vu d'abord? Qu'est-ce que j'ai vu? Je vous explique. Quand j'ai allumé la télé là, non, j'ai entendu quelqu'un chanter. Une musique, quelqu'un en train de chanter. Ouais, la chanson était tellement chic, il dit, mais what? Qui chante? C'est là, j'ai levé ma tête. Ouais, comme ça. Comme ça. En fait, mes yeux se sont ouverts. Et que je vois? Je vois des cuisses. Les cuisses de quelqu'un. Je dis, mais what? C'est qui c'est que ça? Je regarde, c'est une jolie fille. Je dis, mais que se passe-t-il? Moi, je m'attends à voir un chanteur. Et comment se fait-il que je vois des cuisses en premier? Genre, la caméra, le caméraman a braqué sa caméra hein, sur les cuisses de la petite. Et la première image qui m'a frappé aux yeux, c'est ça. J'ai cru que c'était fini, mais je me trompais. Ce que j'ai vu après, ha! Un truc de ouf, un truc de ouf. Le caméraman a continué son chemin maléfique, son chemin envoûtant. En me montrant quoi? En me montrant le derrière de la fille maintenant. Je dis, mais what? Ça c'est même quoi? Je dis, mais attendez. Je viens de me réveiller, non? Mais comment se fait-il que je tombe sur ça, comme ça, juste là, devant moi? Laissez-moi respirer un peu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à vous? Tout de suite, je me suis dit que oh, c'est une erreur. C'est une erreur, ça devait juste blaguer nous. J'ai cherché la télécommande et j'ai cherché à changer d'image. Quand? Là maintenant, je suis maintenant tombé sur sa poitrine. J'ai dit, mais what? Où suis-je? Seigneur, aide-moi. Hein? J'étais perdu. Ça, c'est un chrétien perdu dans la sauce. Wow. J'avais du mal à y croire. J'ai changé de chaîne. Mais c'était difficile. C'est en ce moment-là, télé, que le diable a décidé que la télévision ne puisse pas marcher, la télécommande ne puisse pas marcher, tout ne puisse pas marcher, afin que je puisse bien regarder la chose. Mais tu ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, je me suis dit, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut que je me lève, sinon ça ne va pas cesser. Pourquoi vous me maltraitez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais juste me réveiller. Et vous me montrez ça comme ça. Laissez-moi essuyer mon visage un peu. Laissez-moi essuyer mon visage. Oh, vous êtes joli. Attendez. Que se passe-t-il? La question que je suis posée, c'est que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le pays? Que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi ça? Comme ça? Imaginez si c'était mon fils. Imaginez si c'était ma fille. Imaginez si c'était quelqu'un de ma famille qui voyait ça et qui n'était pas fort d'esprit. Que se serait-il passé après? Vraiment, le monde est devenu du grand n'importe quoi. C'est un truc hors du commun. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
t'es tombé sur de telles images. Dans mon expérience, ça m'est arrivé deux fois. Ouais, des trucs pareils qui m'ont vraiment choqué là. Ce sont des choses qui me sont arrivées deux fois. La première fois, je vous ai expliqué. Ça, c'est la deuxième fois. Là, tout de suite, là, il y a quelques heures. Ouais, il y a quelques heures, j'ai vu ça. Et c'est là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo et que je vous pose cette question-là. Dites-moi, mes frères et sœurs, à qui la faute? À qui la faute? Tu allumes ta télévision et tu tombes sur des images bizarres. À qui la faute? Tu ne sais plus quelle chaîne de télé regarder. Parce que partout, tu vas partir. Tu vas voir les images qui te font te rappeler le truc X. Alors que toi, tu es un jeune. Tu es un jeune, oh. Tu es un carême. Je suis un carême, je fais comment? Je suis un carême, je fais comment? Ça, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Les artistes maintenant disent que c'est pas eux qui sont dans les problèmes. Genre les stars de la musique disent que ce sont pas elles qui sont dans les problèmes. C'est pas à cause d'elles, que c'est à cause de vous. Que c'est à cause de vous, il y a ça. Que c'est à cause de vous. On voit, je dis, les filles présentées comme des pommes à croquer, des clips. Ouais, que c'est à cause de vous. C'est à cause de toi, mon ami. C'est à cause de toi, ma soeur. Tu te rends compte? Est-ce que vous avez compte? En plus, ils nous disent que c'est à cause de nous. Vous nous attaquez et vous dites que c'est à cause de nous parce qu'on aime ça sérieux. Et oui, c'est ce que les stars de la musique sont de dire. Les stars de la musique sont de dire que, ouais, vous aimez ça. Comme vous aimez ça, là. On vous donne ce que vous aimez parce que nous, on cherche l'argent. Nous, on cherche notre jet. Nous, on cherche notre jet, notre jeton. Donc, on vous donne ce que vous voulez. On s'en fout du reste. Et puis, nous ne sommes pas là pour vous éduquer, ni éduquer vos enfants. Oh, sérieux? Oh, sérieux? Bon, comment je fais? Parce que moi, j'apprends, je suis curieux, j'aime tout voir. Et c'est là le danger. Le danger pour les jeunes. Le danger pour les gens très intelligents, très curieux. Il y a des gens qui sont très curieux. Quand ils voient quelque chose, ils veulent voir ce qui est au fond de la chose. Imagine si c'est allé plus loin. Imagine si c'est allé plus loin, les dégâts que ça peut occasionner dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme surtout. Hein? Et c'est ça le grand problème. Le plus grand problème. Parce que ceux les plus jeunes, ceux nos petits frères là, ça, quand nos petits frères regardent des telles images, ça pousse les imaginations à un niveau de haut degré. Un niveau très haut. Au point où ces jeunes-là se perdent dans l'esprit. Et ils commencent à découvrir des choses de corps. Et c'est là que les parents découvrent que le corps ne va plus. Le petit ose se concentrer sur ses études. Lui, il cherche à apprendre comment embrasser une petite fille. Après, vous, les parents, vous plaignez. Après, vous, les parents, vous plaignez. Ça veut dire que là, aujourd'hui, devenu parent, ce n'est plus facile. Devenu papa, maman, ce n'est plus une histoire de lancer rien. Hein? Ce n'est plus ça. Ce qu'il y a derrière, là, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. L'enfant là naît, qu'est-ce que tu fais? L'enfant doit être bien éduqué. Sur le chemin de l'homme, il y a beaucoup de problèmes. Sur le chemin de l'homme, il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'obstacles. Moi-même, je peux en témoigner. Comment les parents vont-ils faire pour s'en sortir? Dieu nous dit que nous devons instruire nos enfants selon sa parole, non? Selon ce qui est juste, selon ses commandements. Ses 10 commandements. Nous voulons être saints, on dit c'est carrément, on dit c'est jeune, moins de jeunes. Et regardez ce que le monde nous offre. Regardez ce que le monde nous offre. C'est là que je comprends pourquoi Dieu a dit n'aimez point le monde ni les choses de ce monde. Parce que ce qui se trouve dans ce monde ici, c'est gris, c'est que du blanc, n'importe quoi. Un monde de ouf, un monde de ouf.
Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai déjà vu les images. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Priez pour moi. J'ai déjà tout vu, oh, j'ai déjà tout vu. Priez pour moi maintenant. Versez l'eau bénie sur moi. Versez l'eau bénie sur moi. Hey! Je vous laisse me donner votre réponse en commentaire. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonnez à votre chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et je vous souhaite une prochaine vidéo. C'est parti.